Bachir, ancien joueur de l'Alpha Saint-Jacques, de 2015 à 2019. Donc, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un peu ma vie, mon mode de vie actuellement, cette période de confinement. Donc, je vais répondre à une série de questions préparées par Audrey. Donc, je vais commencer. Donc, la première question, j'ai vaguement répondu en me présentant. La deuxième, où vis-tu actuellement? Donc, actuellement, je suis à Genève. Depuis maintenant plus de 6 mois, je suis à Genève. Je suis venu donc m'installer à Genève pour mes études. Présente-nous ta zone de confinement. Donc, ouais, c'est ma chambre. Ma chambre, je suis ouais, avec mon PC portable, mon téléphone et les cours à côté. Hein. On garde les cours à côté au cas où la daronne rentre dans la chambre, tu sais, Zia comprend les cours. Semblant, pour faire genre, tu connais. Quelle est ton occupation principale? Je regarde des séries et des documentaires. Je passe du temps, énormément de temps sur mon PC. Et on a un projet à rendre à l'école. J'essaie de le finir du coup. Ta playlist musicale du moment. Le nouvel album de Ninho. Franchement, il est pas mal. 1003, c'est ce que j'écoute en ce moment. Ta série du moment, donc la série que je regarde actuellement, c'est Power. Je l'ai commencé lundi, je suis à la saison 4 là. Il me reste encore 2 saisons. Et si vous avez des idées de séries, franchement, je suis preneur là. Comment maintiens-tu une activité physique? Ah, pour être honnête, très très sincèrement, depuis le confinement, j'ai pas fait de sport du tout. J'allais à la salle avant, mais là, je peux pas. Mais c'est prévu que je commence. Je vais essayer de faire du vélo, essayer de faire des pompes, des abdos, pour pas être surpris par une éventuelle reprise. La première chose que tu voudras faire absolument, quand le confinement sera terminé, j'irai chez le coiffeur direct. Parce que là, c'est le bordel un peu. Quelle est la chose qui te manque le plus? La compétition, très sincèrement, le sport, le basket me manque énormément. Un petit mot pour conclure, bah déjà ça fait plaisir d'entrer en contact avec l'Alpha Saint-Jacques encore une fois, mais je vous souhaite bon courage à tous pour cette période de confinement et profitez avec les gens avec lesquels vous habitez, c'est je pense c'est le plus important, faut voir le bon côté des choses. Et du courage, à bientôt. Ciao, bisous.